Consommer plus de légumes secs et de féculents complets, c'est la principale recommandation de l'Agence nationale de santé publique pour mieux manger. Deux catégories d'aliments qu'il faudrait davantage retrouver dans les assiettes des Français. Aujourd'hui, 60% des adultes ne mangent pas de produits céréaliers complets, comme des pâtes complètes par exemple, malgré leur richesse en fibres. Je pense qu'il y a moins de sucre dans les pâtes complètes. Beaucoup de Français devraient changer leurs habitudes. 63% des adultes mangent plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. 3 adultes sur 10 boivent plus d'un verre de boisson sucrée par jour. L'Agence nationale de santé publique recommande d'augmenter sa consommation de fruits et légumes et le fait maison. Il faut aussi s'orienter davantage vers le bio et les produits locaux, mais également réduire sa consommation d'alcool et de produits sucrés. Des conseils dont ont déjà connaissance les Français. Il y a des produits que je m'interdis, comme par exemple au lieu de manger des gâteaux, je vais manger un fruit. Je consomme bio surtout. Les trucs très sucrés avec beaucoup d'huile de palme, ce genre de choses, j'essaye d'éviter. Selon une étude, 17% des Français sont aujourd'hui obèses. Pour lutter contre ce problème, il faut aussi lutter contre la sédentarité et favoriser l'activité physique et sportive.